Donc là, j'ai des cartes. Voilà, c'est les 10 cœurs qui sont pour l'instant dans l'ordre. Je commence par les mélanger. Je ne suis pas très forte, en fait, pour mélanger les cartes, concrètement. Voilà, on y arrive. Hop. Et alors, je les pose. 1, 2, 3, 4. Et je vais regarder, je vais vouloir compter le nombre de cartes qui sont à la bonne place. 5, 6, 7, 8 est à la bonne place, 9 et 10. Donc là, on en a une. Alors, d'accord, aucune carte bien placée. Et on se demande, est-ce que c'est quelque chose de courant? Est-ce que ça se passe comme ça d'habitude? On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Combien j'ai de nombres bien placés? Donc ici, j'en ai 3. Et le problème qu'on va essayer de résoudre, c'est en moyenne, combien il y a de cartes bien placées? Et si je fais cette expérience chez moi, en supposant que les cartes sont complètement mélangées, en moyenne, combien je vais trouver de cartes à la bonne place? Alors, on va arrêter de faire des cartes, on va les écrire au tableau et on va partir avec moins de chiffres, on va partir qu'avec 3 et on va regarder de façon exhaustive toutes les possibilités qu'on a et à chaque fois combien il y en a qui sont bien placés. Ça va permettre de bien comprendre le problème et de faire le calcul explicite, complet sur, pour la taille 3. Alors, on y va, j'écris 1, 2, 3. Donc on commence par écrire toutes les possibilités. Donc quand on a 3 cartes, en fait on a 6 possibilités. 1, 3, 2. Et puis, on compte le nombre de nombres qui sont bien placés. Je vais mettre une petite croix bleue au-dessus. Donc là, dans le premier exemple, les 3 sont à la bonne place. Ensuite, ici, 1, 3, 2, il n'y a que le 1. Et puis, je vais écrire ici combien j'ai de nombres bien placés. Donc ici, j'en ai 3. 1, 1, 0, 0 et 1. Si je fais la somme de tout ça, j'obtiens 6. Divisé par les 6 permutations, en moyenne, j'ai une carte bien placée. De exactement une carte bien placée. Ça semble un résultat assez amusant. Est-ce que c'est vrai de façon générale? Ben, on peut faire la taille suivante, on va faire la taille 4. En taille 4, il y en a un petit peu plus, mais on peut encore le faire à la main. Donc allons-y, on fait toutes les possibilités de taille 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 3. 1, 3, 2, 4. 1, 3. Donc là, j'en ai fait 24. En vrai, je peux faire des listes beaucoup plus longues que ça quand je fais mes propres recherches. J'ai un carnet quand même, j'écris beaucoup aussi sur des pages. Bon, on n'a pas fini, hein, parce qu'il faut, ouais. Il faut faire les croix des nombres bien placés. Donc celui-là, c'est facile. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 3. Pour moi, mon métier consiste vraiment à compter et à faire des listes et à dessiner et à compter des objets. C'est pour ça que je fais de la combinatoire. C'est vraiment le principe, c'est de compter. Alors d'ailleurs, on va compter les croix bleues pour vérifier. Là, il y en a 4, 2, 2, 16, plus 8, égale 24. Et vous pouvez vérifier que vous avez 24 permutations. Oui, ça s'appelle les permutations, cette façon de mélanger les nombres rouges. On vérifie qu'on a bien 24. C'est bon, on a le même nombre de croix bleues que de permutations. Donc, on va appeler ça les points fixes. Donc les croix bleues, c'est les nombres qui sont placés au bon endroit. On appelle ça les points fixes de la permutation. Donc la permutation, c'est la liste de nombres en rouge. Et les points fixes, c'est les petites croix bleues. Et là, ce qu'on trouve, c'est qu'en taille 3 et en taille 4, on a exactement le même nombre de permutations que de points fixes. Ce qui, en conséquence, fait qu'il y aurait un point fixe par permutation en moyenne. Ouais, ouais. Oui, en moyenne, il y en a où il y en a plus, et il y en aura toujours une où tous les nombres sont à la bonne place, et il y en aura visiblement plusieurs où il y a zéro, et puis entre les deux, on a ça. Donc là, on se dit, il y a peut-être quelque chose. Alors comment on va faire pour la suite? Ben, on ne va pas le faire au tableau, parce que là, quand même, il y en a 120, donc ça fait beaucoup. Et là, la technique que j'utilise, c'est de passer sur l'ordinateur et de faire l'expérience en la programmant. Donc, ce que je vais faire, donc je vais lancer un logiciel qui s'appelle SageMath et qui est un logiciel libre de mathématiques dans lequel, en particulier, il existe les permutations. Donc, c'est pas moi qui ai codé les permutations dans Sage. Pourquoi? Parce que c'est un objet assez courant qu'on va retrouver dans pas mal de problèmes. Que ce soit les permutations ou les points fixes, c'est déjà codé dans Sage. C'est l'idée de mutualiser, en fait, le code dont on va avoir besoin pour mener nos expériences mathématiques. Voilà, plutôt que chaque chercheur recode ses permutations et ses points fixes, là on peut utiliser une fois pour toutes. Donc là j'ai les permutations de taille 3, donc par exemple je peux demander combien il y en a. Cardinality, voilà.
Il va me dire qu'il y en a 6, c'est bon, on est bien sur les bons objets. Si je lui demande la liste des permutations, il va me la donner, et il va même la me donner dans le même ordre que celui que j'ai fait, parce qu'on est plusieurs à avoir eu cette idée. On peut lui demander un élément, on peut lui demander un élément au hasard, par exemple. Enfin, là, j'ai une permutation, je peux lui demander son nombre de points fixes. Voilà. Et bon, celle-là, elle n'en a pas, mais maintenant, je peux demander la somme de tous les points fixes. Et il me répond 6. Donc c'est ce qu'on avait trouvé là. Et là, c'est pas mal. Il faut toujours commencer ces expériences par recoder ce qu'on a fait à la main pour vérifier qu'on est bien en phase avec l'ordinateur et qu'on est en train de faire la même chose. Donc les permutations de taille 4, pareil. On va vérifier. Donc cette fois, c'est en taille 4, 24. Donc là, on compte bien toujours le nombre de points fixes. On trouve que c'est la même chose que la cardinalité de l'ensemble, 24 permutations. Et on peut même lui demander directement la moyenne du nombre de points fixes. Voilà. Il va me répondre 1, parce qu'il divise donc 1 de façon exacte. C'est là où ça va devenir intéressant, parce qu'on va pouvoir lui demander pour des ensembles plus grands. Donc cette fois, on va lui demander pour les permutations de taille 5. 1. On va augmenter. 6. 7. Donc là, tu demandes directement la moyenne. Je demande directement la moyenne des points fixes. 9, voilà, 9, ça commence à prendre un petit peu de temps. En vrai, là, on a déjà quand même, on a l'impression quand même que c'est tout le temps vrai. Donc, on peut avoir l'impression qu'on va pas très loin parce qu'on va que jusqu'aux permutations de taille 10. Donc ça, c'est le nombre de cartes qu'on avait tout à l'heure. Là, il va mettre un petit peu de temps à réfléchir et on va vite voir pourquoi. Donc 10, il a réussi 1. Et alors, combien il y en a des permutations de taille 10? Et là, il a quand même fait le calcul sur 3 628 800 permutations. Donc d'accord, on est allé que jusqu'à 10, mais en fait, on a quand même fait le calcul sur un grand nombre de permutations. Donc c'est un résultat assez étonnant, c'est pas forcément si intuitif au départ. Et alors, on peut aller plus loin, on va pas pouvoir aller de façon exhaustive plus loin, mais alors on va prendre des permutations de taille 150, donc des grosses permutations. Donc là, évidemment, on va pas pouvoir tout faire, parce que voilà combien il y en a des permutations de taille 150. Donc oui, là, que ce soit à la main, au tableau ou sur la machine, on a dépassé nos capacités, hein, c'est pas possible. Ce qu'on peut faire, c'est de tirer un certain nombre de permutations au hasard. On fait exactement ce qu'on a fait là tout à l'heure, simplement là on va le faire avec 150 cartes, et on va le faire 1000 fois. Et là il trouve 1,008, puis on refait, on voit que on reste très proche de 1 à chaque fois. Donc là ça nous dit... Non seulement c'était vrai jusqu'à 10, mais ça a l'air d'être aussi vrai pour en taille 150. Et c'est là où l'esprit mathématique arrive, c'est qu'on va vouloir le démontrer maintenant, ce résultat. Ce qu'on a là maintenant, c'est une conjecture forte, dans le sens où, ouais, ça a l'air vrai. On est assez convaincu soi-même que c'est vrai, mais on veut une démonstration. Et dans ce cas-là, la démonstration, elle va pouvoir se faire, ça va pas être trop difficile. L'autre façon de voir ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, on a compté le nombre de petites croix bleues ici. Et on a dit qu'il y en avait 6, hein. On voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui est le même nombre que le nombre de permutations. Donc ce qu'on veut, en fait, c'est prouver qu'il y a autant de points fixes que de permutations. C'est la même chose que de prouver qu'en moyenne, il y en a une. Je vais un peu réécrire ces points fixes pour visualiser vraiment cet ensemble des points fixes, pour comprendre que c'est vraiment les croix bleues qu'on cherche. Donc là, par exemple... Il y a 3 points fixes, je vais la réécrire 3 fois en mettant en bleu le point fixe qui est considéré. Donc là, c'est le point fixe 1 dans la permutation 1, 2, 3. Donc là, la permutation 1, 2, 3, elle va apparaître 3 fois pour ces 3 points fixes. Et ensuite, on va retrouver les 3 autres points fixes, donc le 1 à l'intérieur de 1, 3, 2. Le 3... à l'intérieur de 2, 1, 3. Et le 2 à l'intérieur de 3, 2, 1. Ça, c'est notre ensemble, c'est notre nouvel ensemble, c'est l'ensemble des points fixes. Et on veut prouver qu'il y en a autant que les permutations. Et pour ça, je vais faire une petite opération où je vais faire correspondre à chaque point fixe une permutation. Alors, comment je vais faire ça? Je vais prendre son point fixe, donc le 2, je l'écris au début. Et ensuite, je prends les deux autres nombres de la permutation, donc le 1 et le 3, je les garde dans cet ordre-là, et je les mets à la suite. D'accord? Donc là, le point fixe 2 à l'intérieur de 1, 2, 3, ça me donne la permutation 2, 1, 3.
Alors, pourquoi j'ai pas fait la première? Parce que là, je prends le 1, je le mets au début, et puis je mets les deux autres. Et le point fixe 1 à l'intérieur de 1, 2, 3, ça me donne la permutation 1, 2, 3. Donc, on comprend pas forcément ce qui se passe. On va continuer ici. Donc là, on met le 3, 1, 2. Le 1, 3, 2. Le 3, 2, 1. Et le 2, 3, 1. Et alors, ce qu'on va remarquer, c'est que maintenant, ici à droite, j'ai exactement mes 6 permutations de départ. Ce que je veux dire, c'est que toutes les permutations apparaissent et elles n'apparaissent pas en double. Si cette opération vous semble un peu mystérieuse, maintenant on va étudier comment on fait pour aller dans l'autre sens de la flèche. Et là, je pense qu'une fois qu'on aura fait ça, ce sera beaucoup plus convaincant. Donc là, ce qu'on a, c'est une opération qui prend un point fixe, qui prend l'ensemble des points fixes et qui l'envoie sur l'ensemble des permutations. Ce qu'on va vouloir avoir en retour, c'est une opération qui va prendre une permutation qui va l'envoyer sur un point fixe. Et quand on aura ces deux opérations inverses l'une de l'autre, on va avoir défini ce qu'on appelle une bijection entre l'ensemble des points fixes et l'ensemble des permutations. Donc l'opération inverse, à quoi elle va ressembler? Je vais la donner sur un exemple. Sur une permutation un peu plus grande, on va prendre par exemple ici 2, 4, 1, 3. Et là, qu'est-ce que ça va donner? Donc le premier chiffre ici, c'est notre point fixe. Donc c'est le nombre 2 qui se place en deuxième position. Et autour, il y a les trois positions libres dans lesquelles vont venir se placer les trois autres chiffres de la permutation. Donc on a le 4, le 1 et le 3. Et maintenant, notre opération, elle a transformé la permutation de 4, 1, 3. Elle l'envoie sur le point fixe 2 à l'intérieur de la permutation 4, 2, 1, 3. Ça, c'était sur un exemple. Ce qu'on va faire, c'est on va reprendre notre ensemble de permutations ici, on va oublier la partie de gauche qu'on avait là, et on va appliquer notre flèche bleue sur chacune des permutations de notre ensemble. Donc ici, ça nous donne le point fixe 1 dans la permutation 1, 2, 3. Ici, c'est le point fixe 2, et on place le 1 et le 3 autour. Ça, c'est le point fixe 3, et on place le 1 et le 2. Et maintenant, si on regarde l'opération avec la flèche rouge puis la flèche bleue, on voit bien qu'on est parti d'un point fixe et qu'on est revenu sur le même. Donc on a bien que la flèche bleue, c'est l'opération inverse de la flèche rouge. On a donc bien cette bijection entre l'ensemble des points fixes et l'ensemble des permutations. Ça, c'était pour la taille 3, mais vous avez vu que la définition de l'opération, elle se généralise très facilement, donc on va pouvoir la faire pour n'importe quelle taille, et on va pouvoir compléter les détails de la preuve, et on va obtenir une preuve générale que l'ensemble des points fixes est de même taille que l'ensemble des permutations, et donc qu'en moyenne, on a bien un point fixe par permutation, on a la démonstration de notre problème. Tout le système qu'on a vu ici, toute la façon de faire qu'on a vu ici, c'est-à-dire cette façon d'expérimenter à la main, de passer sur l'ordinateur, de revenir pour la preuve, c'est un peu en condensé ce que je fais moi sur des problèmes combinatoires beaucoup plus difficiles, où ça va pas toujours aussi bien se passer, ça va pas prendre aussi peu de temps, la démonstration va être plus difficile. Mais voilà, ça vous donne une idée de la façon dont je fais des maths. Ici Mickaël Dumirieu-Gaune, merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo et un énorme merci à Viviane Ponce qui s'est prêtée au jeu pour ce tout premier numéro de ce nouveau format. Ce que vous venez de voir en réalité, c'est le Mirieu-Gaune tel qu'on l'avait imaginé avant même 2020 avec mes complices Robin, Roger et Chloé. L'année dernière, la pandémie nous a fait changer nos plans avec les lives que vous avez peut-être déjà vus, peut-être suivis à l'époque, et on revient maintenant au projet de départ. Entre-temps, on a été rejoint par Stéphane qui assure la réalisation. Et si vous connaissez déjà la chaîne anglophone Numberphile, l'idée c'est de faire quelque chose d'un peu similaire, mais en français, c'est-à-dire d'aller filmer des chercheuses et des chercheurs dans leur environnement naturel et de leur faire nous raconter les maths qu'ils pratiquent au quotidien. Je n'entre pas dans les détails maintenant, mais si vous voulez en savoir plus, on va faire un live avec Robin et Roger le mardi 14 décembre à 18h pour parler un peu plus de la suite. Et d'ailleurs, si vous avez déjà des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poster en dessous de cette vidéo.
En tout cas, si ça vous a plu et que vous avez envie de voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant à la chaîne, à liker, à partager autour de vous et à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve donc le 14 décembre pour un live FAQ et très vite pour la suite.